Cette fois-ci, on va parler de quelque chose qui rassemble tout le monde, puisqu'on va parler de nourriture, on va parler de ce que nous a apporté Edwina Bargy et Odile Bataille. On est dans Gadiam Réunionnais. Bonsoir mesdames, Odile Bataille, Bonsoir. bonsoir, qui m'a précisé qu'elle s'appelle pas Edna, mais Edwina Bargy, bonsoir. Bonsoir. Alors, ces ateliers de cuisine de ce week-end, ça s'est passé comment? Excellent. Combien de personnes? Ouais, c'était, on était, ils étaient quatre. Ouais. Elles étaient quatre. Et apprendre, qu'est-ce que vous leur avez appris? Ah ben, là, on a appris beaucoup de choses. Le poulet africain, c'est-à-dire le mafé. Ouais, on a fait un Voilà. poulet au mafé, ouais. Un poulet, comment? Au mafé. C'est-à-dire un poulet à la sauce d'Acatine, Ouais. voilà, et des légumes, c'est-à-dire de la patate douce, de la carotte, de l'aubergine et du chou. Et voilà. Et c'est très équilibré comme apport. Non, ça C'est un c'est une plaisir? recette plaisir. D'accord. Ouais. L'arachide est en Assez gras, riche oui, voilà. en graisse? Ouais, et c'est nous-mêmes qui avons fait en plus la pâte De... à... Ah ouais, la pâte d'arachide et Oui. tout. Ah, vous l'avez fait vous-même? Ah oui, on l'a fait Avec nous-mêmes. des cacahuètes. Ouais, des cacahuètes après qu'on a fait torréfier, et puis après on les a broyées longuement, on a ajouté un peu d'huile, on a fait nous-mêmes. Au moins on sait ce qu'il y a dedans. Vous avez acheté les pistaches où? Je les ai achetées au marché, Marché, oui. ouais, au marché De de Saint-Paul. Saint-Paul. D'accord. Et combien de quantité de cacahuètes pour faire une bonne pâte J'en d'arachide? avais, je crois que j'ai mis à peu près, il y avait quoi, 400-500 grammes. D'accord. Donc voilà. Et donc là-dedans, il y avait patate douce. Oui, patate douce, Après, chou, chou. carotte, ça veut dire brinjal. Ouais, Il y avait, ouais. Voilà. Et c'est tout, je crois. Ouais, c'est tout. Et en plus de ça, il y avait des épices, ouais, que j'ai ramené. Des épices qu'on utilise du Cameroun, en fait, à l'intérieur. C'était quoi ces épices de Il y avait Cameroun? du PB, ça ressemble en fait, c'est ce qu'on appelle ici Muscade. la noix de muscade, ça ressemble à la noix de muscade en fait. Il y avait ça. Et comme goût? C'est, je veux dire, c'est plus subtil, on va dire, que la noix de muscade. Il y avait aussi, il y avait le poivre de Béndjar, en fait, c'est du poivre du Cameroun qui est très parfumé. Donc, il y a. Alors, le muscade, c'est souvent dans les civets à La Réunion. Hein, Ouais, tout c'est à fait, ouais. juste dire ça. Et avec le poulet, qu'est-ce qui a accompagné ce poulet au C'est du mafé? riz, ça se mange avec du riz. L'idéal aurait été avec des bananes plantains, mais bon, on n'en a pas ici. Des bananes plantains, on les fait griller comme des frites, en fait, ou on peut les piler dans un mortier, on les pile, on en fait des petites boulettes, après qu'on trempe dans la sauce. Donc voilà. J'espère que ça vous donne faim parce que franchement, quand on n'a pas mangé, ça donne faim. Surtout quand on n'a pas mangé. Donc voilà, on a fait autre chose aussi. Oui, c'est-à-dire On a fait des petites des boulettes de boulettes de poisson poisson au thon. Au thon. et avec une sauce de piment, Voilà. Alors, citron boulettes de galette. poisson, vous mettez. On avait mis alors, on a fait nous-mêmes, on a fait de la chapelure Voilà. avec du pain rassis. On a broyé du pain rassis, on a mis de l'oignon Du vert, des cives. Hein. vinaigre, oui. On avait mis un peu de gingembre. On a remis, en fait, c'est une épice, c'est l'arbre à ail. En fait, c'est une épice aussi qui vient d'Afrique, en fait, et on en fait une poudre. Donc, on a mis à l'intérieur, c'est un goût prononcé. Et on a mixé le tout, et après, on fait les petites boulettes qu'on fait frire après dans l'huile. Donc, voilà. Et après, on a fait un gâteau. Le gâteau, ça, c'était assez sympa. On a fait un biscuit au coco. On a fait une mousse fraise avec l'hibiscus. On a fait imbiber des fraises dans un sirop d'hibiscus et après on a dressé dessus. Donc voilà. Et vous avez partagé ça en famille, avec Ouais. les gens Avec qui... on a eu 3 heures l'atelier, voilà. d'atelier. On a Et cuisiné. vous avez dégusté pendant combien de temps? Oh, la dégustation, quoi, Voilà. une demi-heure, hein, voilà. Mon mari nous a rejoints pour la dégustation avec mon fils et tout après. Un Donc mari qui est voilà. solidaire en plus. Ouais. Et les gens qui viennent à ces ateliers, c'est pour apprendre à cuisiner ou c'est pour essayer de faire évoluer leur vision de la cuisine Moi, je et de pense l'alimentation? plus c'est pour essayer et pour pouvoir le refaire chez eux. Parce qu'on a des clients qui le refont chez eux. Et ils réussissent, ils vous disent qu'ils ont fait la même chose ou ils Oui, disent que... on a quand même des retours en disant oui, on a essayé, ils ont bien réussi. Voilà. Ils ont aimé. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut changer dans le comportement des de enfin changer. Qu'est-ce qu'il faudrait ajouter parce que pas changer, mais ajouter dans le comportement parce que pour que les gens mangent vraiment
des bonnes choses, des aliments sains, des aliments bons pour leur métabolisme, bons pour leur énergie. Qu'est-ce qu'il faut leur apprendre, leur dire de faire? Parce qu'ils savent sans doute le faire. Oui, Mais bon, oui. et c'est plus facile de prendre un paquet de chips dans le placard que d'aller se faire un... Déjà, de prendre le temps de le faire soi-même. Ouais. Voilà. Aller acheter ses produits. Parce que moi, je pense que quand on va acheter ses produits, aller au marché, prendre le temps d'aller au marché, acheter ses fruits et légumes, je pense que déjà, ça, dans sa tête, on se dit « Ah, on va acheter ça. Ah, je vais pouvoir cuisiner ça. » Je pense que ça motive déjà à cuisiner. Puis se réserver une petite heure dans sa journée pour cuisiner, quoi. Le plaisir de cuisiner. Et justement, c'est pareil. C'est ça aussi, c'est aujourd'hui. Vous êtes conscient de ça depuis longtemps, de dire que... Aujourd'hui, il faut aller chercher ses produits, il faut le faire, il faut... Ou quand on est femme d'agriculteur également, on a toujours cette démarche de dire ce sont les produits de la terre les meilleurs. Bah, c'est toujours les produits de la terre les meilleurs, oui. Et après, il y a des moments où tu n'as pas envie de travailler cuisiner non plus. Ah, comme je disais, on n'est pas parfaite. Hein. Bien sûr, il y a des moments où tu n'as plus envie. Où ça m'arrive de commander une pizza, comme tout le monde. Voilà, c'est même pas une critique. C'est bien de changer de temps en temps. Tout à fait, ça m'arrive de commander une pizza. De se faire un osso bucco. Tout à fait. De se faire un... qu'est-ce qu'on peut dire comme repas de manger un burrito ou de manger... Tout à fait. Ou un mafé qui est très riche en... Comme on a fait, qui est riche en calories. Quoi. Ouais, je veux dire, oui, tout à fait. Tout à fait. Après on a raclette, les légumes. Une fondue. Pardon ? Il y a les légumes quand même à l'intérieur pour la bonne conscience. Ou alors se taper 2 km de marche pour essayer aussi de retrouver aussi un mental. Mais j'allais dire, là, à ce niveau-là, comment essayer de retrouver un petit peu cette posture d'avant où cuisiner était comme quelque chose de plaisant aussi. C'est vrai, lorsqu'on a des enfants, on est maman, on a toute la maison à gérer, on a les papiers de l'exploitation agricole à gérer, pas de facile de se mettre Après, moi, j'ai la chance d'avoir un mari à la maison qui veut absolument goûter à tout. Voilà. Il essaie de faire manger à ses enfants beaucoup de légumes et assez souvent ceux qui produit. Voilà. Fait qu'on a toujours à vouloir changer et à goûter à tout. Voilà. Et c'est important quand le couple est, j'allais dire, sur la même longueur d'onde en matière d'hygiène, en matière de nourriture, en matière de saine alimentation, c'est important. Bah oui, je pense que c'est important, ou à moins de faire 4-5 repas différents pour une même personne à table, on essaie toute la famille de manger. Moi, je pars du principe, hein, on fait à manger, ils aiment pas, ils goûtent au moins, s'ils aiment pas, mais au moins qu'ils goûtent, quoi. Au moins qu'ils goûtent. Et essayer de cuisiner même avec ses enfants, ça motive aussi. Moi, je pense que cuisiner, ça permet de voir si l'enfant aujourd'hui n'aime pas de cette manière, d'essayer de cuisiner autrement. Tout à fait, de transformer. Peut-être qu'il pourra aimer après. Trouver une façon de bien transformer la nourriture pour que l'enfant ait envie de goûter. Voilà. Alors, juste pour poser une question, sur ce plateau, il y a donc un gâteau. Alors, on va essayer d'avoir ça sur le plan large. Je vais juste vous le montrer. Allez, je vais vous le montrer sur un plan serré. Allez. Voilà, alors on va vous montrer ce gâteau. Voilà, c'est encore chaud. Apparemment, ça sort du four. Non, on voit bien en plus. Donc voilà, alors, je vous propose la question, vous qui êtes devant la télé, est-ce qu'on peut imaginer ce qu'il y a dedans quand c'est cuit comme ça? Alors, j'ai pas trouvé. Je pensais qu'il y avait des bichilles dedans, en fait, c'était pas ça. Un gâteau à 700 euros, c'est quand même cher. Il faudra produire plus fort. La question, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ce gâteau? Tout simplement, il n'y a que des bringelles. C'est tout. Vous l'auriez deviné, vous, qu'il y avait des aubergines ou des bringelles dans ce gâteau. C'est quand même quelque chose, hein. Et c'est ça, c'est cette façon-là qu'il faut faire pour faire manger des légumes aux enfants, transformer, faire un cake aux fruits, un cake aux légumes, c'est ça. Proposer différentes manières de cuisson des différents légumes, oui. Aujourd'hui, dans les samoussas, on met du chocolat, oui, on met de la dakatine, on met de... C'est une façon? Oui. Pourquoi pas? Moi, je pense que c'est une façon et de justement dire. Il y en a des fois, ils vont pas aimer la texture d'un légume, par exemple la betterave. Ils vont pas aimer quand c'est en morceaux, mais ils vont aimer quand c'est en mousse. Voilà. Ouais, c'est ça. Et c'est un petit peu comme c'est. Alors, comment on appelle ça? Quand on met une couche de tel légume, une couche d'autres légumes, ils font carrément le. Comme une lasagne, voilà. On pourrait dire. Ouais. Oui. Et après, les enfants mangent ça. C'est ça qui est drôle. Les carottes râpées, c'est non. Les carottes coupées en rondelles, non plus. Mais une purée de carottes, ça passe. Purée, en plus, peut-être une recette qui leur rappelle quand ils étaient bébés. Je sais pas, c'est régressif peut-être. Ouais. Et les purées, généralement, il y en a qui aiment pas. Hein, mais moi, j'aime beaucoup les purées. Ouais.
Et on le voit aussi, par exemple, dans les cuisines, une salade, lorsqu'on met dans la salade, on ajoute soit du sucré, un petit peu. Quand on met un peu de magret, on met un petit peu de Tout sarsive, fait. on met plein de légumes, ça y mange. Oui, ça dépend. Parce que moi, mon fils mange pas de magret. Il n'aime pas ça. Voilà. Ou le chèvre chaud, des Oui, légumes, et tout à puis fait. une tranche de pain, un morceau L'accord de sucré-salé, chèvre. après tout le monde n'aime pas, mais c'est vrai que le sucré-salé peut pousser certains à manger. Un petit fruit à l'intérieur, Ou du même. miel, Oui, tout simplement, ouais. du miel. Hein. Ça reste quand même un gâteau de fruits. Le fruit à pain, faites le cuire comme ça par morceaux avec du safran, du poivre. Ils mangeront pas. Mais faites Oui. des beignets de fruits à pain aux morues, Une voilà. tatin de fruits à pain, Ouais. vous allez voir. Ça, par contre, j'ai jamais mangé. Ah ben, ça, une fois je l'ai fait et c'était vraiment top. Il faudrait que je le refasse. Même texture que la papaye ou que Oh. la pomme. Ouais, on l'a dans un caramel caramélisé après au four lentement et je trouve ouais, c'est fondant. J'espère qu'on aura l'occasion de voir ça et de vous le proposer aussi. Enfin, vous le verrez de votre écran, hein. Je suis désolé. Là, on n'a pas encore inventé l'écran. Téléchargé. Je suis vraiment désolé. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus? La question aujourd'hui pour vous, c'est au-delà de transformer la nourriture, les enfants, et quand je dis les enfants, je parle bien sûr de tous les autres, comment on peut faire pour que ils prennent le temps d'abord de comprendre que combien c'est important de faire de la bonne cuisine pour soi. Parce que ce qu'on fait généralement aujourd'hui, c'est prendre de la roquette, de la salade verte, de tomates, cerises ou pas, quelques fromages, quelques croûtons. Hop, dans la Ça salade. fait une salade. Moi, C'est dans la salade, facile. j'aime me confire mes légumes. Je trouve que c'est meilleur. C'est quoi? Je fais confire les Ah, légumes d'accord. d'abord au four, les tomates, là, à midi, bon, c'est pas d'ici, hein, mais j'ai trouvé des nectarines, j'avais envie, j'ai fait confire des nectarines dans ma salade et c'était délicieux, quoi. Voilà. Avec des tomates, c'était délicieux. J'allais dire mettre du sucré salé dans la salade. Voilà. Ça, c'est la recette la plus rapide. On le voit dans les grandes surfaces, c'est en boîte plastique, on le voit au resto, on sert des grosses salades avec dessous beaucoup de salade Il y a verte. plus de laitue qu'autre chose. Voilà, il y a beaucoup de salade verte. Alors que chez soi, prendre deux olives, deux cacahuètes, prendre deux coupées d'oignons. Un petit peu comme une salade de sardines finalement. On prend la sardine, donc on tranche des tomates, on tranche Quelques les oignons. oignons. C'est fait. C'est bon, même avec des pommes de terre, moi j'aime bien. Mon père, il faisait, vous savez, des harengs, des filets d'harengs, Ouais, ça. avec plein d'oignons, des petites carottes tranchées dans de l'huile d'olive avec des pommes de terre. C'était délicieux. C'est un souvenir d'enfance. C'était où? Mais ça, mon père, il est de Toulouse, mais ça, on le faisait quand on habitait au Gabon, en fait. Ah, la dernière recette Non, poisson. non, 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 il m'a rien donné du tout là pour ce soir. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors, on va commencer à découper ce gâteau parce que sinon on n'aura pas le temps de le faire sur le. Je vous laisse le plaisir de le faire. Verdict. Et vous allez me dire si Espérons. c'est bon? En tout cas, il est bien moelleux, Ça, hein. tu goûtes. Non, Moi, ma non, finesse est non, goûtée, moi. non, 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 pas sur un plateau télé. Ça laisse des choses entre les dents et j'ai toujours dit j'évite de manger sur un plateau télé. Je le mangerai après. Et voilà. Alors, je voulais regarder un Bon. peu la La texture. texture, ouais. Ouais. Que là, on n'a pas pris de pelle, en fait. Il faudrait une pelle à gâteau, mais c'est bon. Parfait. Voilà, on va essayer de montrer la texture et vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. C'est, en tout cas, je vous souhaite un bon appétit pour ce que vous avez mangé. Et moi aussi, ce que je mangerai tout à l'heure. Après, on peut faire ça avec beaucoup de choses, hein. C'est-à-dire les Alors, pommes de terre. là-dedans, il y a que des aubergines? Oui. Farine, œufs, levure, beurre, sucre vanillé, un peu de vanille, c'est tout. D'accord, on peut rajouter un petit peu des crevettes si on veut, on peut rajouter ce qu'on veut finalement. Là, ça, oui, là, Ah, ça fait maintenant un là, plat c'est que salé, du là. sucré, ça. Hein, c'est quoi? Ça, c'est que sucré, ça. C'est sucré? Oui. Ah, d'accord, moi je pensais que c'était salé. Non. Et les enfants préfèrent sucré ou salé généralement? Ça dépend des enfants. Voilà. Alors, quand on parle d'enfants, je voulais juste saluer deux jeunes qui nous regardent aussi bien sur YouTube que sur la télé, je pense. Alors, on va saluer Mathéo et Noah, le youtubeur de la famille, c'est ça? Oui, c'est lui qui est branché high-tech, qui regarde. Puisque la dernière fois, quand il est parti, Mathéo a dit, je regarderai sur YouTube. Donc, cette fois-ci, j'espère qu'il regardera sur YouTube. Et on le salue, lui et son grand frère, Noah. Alors, je reviens à ça pour... On teste.
Edwina teste sur ses enfants tous ces produits-là? Oui, je teste. Moi. Mais ça tombe très bien. Moi, j'ai deux enfants qui sont complètement différents, hein, Noah et Mathéo, voilà. Noah, ça va être... Il va dire même, il est allergique aux légumes, je rigole. Hein. Vous savez, quand on devient adolescent, on est allergique aux légumes. On est allergique à beaucoup de choses. C'est une maladie. C'est un carnivore, ça, par contre, bizarrement aux pâtes, il n'a pas d'allergie. Mais par contre, j'ai Mathéo qui, lui, à 7 ans, lui, il mange de tout. C'est un vrai bonheur. Ouais, pareil chez Odile. Alors, chez moi, mes enfants mangent de tout. Mais de tout. Maman crie un peu? Non, c'est soit tu manges ou tu n'auras rien. Ah oui, voilà, c'est clair, il n'y a pas de discussion. Voilà, non, non, c'était une bonne façon de faire de nos parents. Si tu ne manges pas, tu vas t'asseoir et tu remangeras ce soir. C'est mais tu auras la même chose. Là, et tu mangeras la même chose. N'oublions pas que la meilleure sauce pour manger, ça reste... La cuisine de maman. Non, ça reste la faim. La faim? Ah oui, je dirais la meilleure sauce, c'est la cuisine de maman. Non, mais moi, bon, je dirais... Après, généralement, tout ce que je fais, mes enfants ne sont pas difficiles. Ils aiment bien, à part la première. Oui, j'allais dire, voilà. T'as comme Cynthia, elle est comme... Elle aime pas les légumes, elle aime pas quoi? Non, mais elle est très, très difficile sur la nourriture, mais bon, ça va. C'est peut-être l'effet premier, hein, voyez, voilà. Les premiers. Oh, sans doute, parce que soit maman a été très, très protectrice, soit c'est papa. Moi, je sais aujourd'hui pourquoi mes deux enfants ne mangent pas pareil, parce que justement, comme je vous disais, ma cuisine, elle a évolué. Quand j'ai eu Noah, je pense que j'avais moins le temps de cuisiner. Ça, c'est, voilà, il y a 15 ans, j'avais moins le temps de cuisiner. Il y avait plus de peur, il y avait plus d'appréhension. Oui, et puis je travaillais, j'avais un boulot qui était très prenant et tout. Finalement, j'avais pas le même temps. Et je réalisais aussi pas pareil, là, le même âge, la même réalité qu'il faut bien s'alimenter et tout ça. Et là, aujourd'hui, j'ai évolué, j'ai fait évoluer ma cuisine. Et avec Mathéo, j'ai une autre philosophie. Comme quoi, parfois, ça tient pas à grand-chose. Hein. Ah ben, carrément, j'en suis persuadée. Et lorsqu'on parle de psychologie, des fois, on se dit, mais comment deux enfants... nés des mêmes parents, vécu dans les mêmes contextes, soit parfois aussi différents. Et quel conseil il faut donner aux parents, justement, au niveau de la cuisine? Et on vous donne des conseils, c'est pas pour dire que vous ne savez pas, hein, c'est ajouter des choses à ce que vous savez déjà. C'est pour éviter qu'il y ait des malentendus. Qu'est-ce qu'il faut dire aux parents? Quelles astuces on pourrait leur donner pour que... Leurs enfants mangent un peu plus de légumes, mangent un peu plus de tout. Comme vous disiez, c'est d'essayer de les proposer sur différentes manières, manières de cuisiner, en fait. Je ne vois pas d'autres... Après, un enfant, le problème, un enfant, quand il ne veut pas, il ne veut pas. Hein, donc, parce que les pâtes avec, généralement, du ketchup, c'est une chose. Le jambon beurre, c'est une chose. La purée jambon, c'est une chose. À un moment donné, c'est bien de... Et ben après, il faut expliquer aux enfants aussi que c'est important de bien se nourrir. Quand on se nourrit pas bien, on est malade. Voilà, il faut expliquer ce cheminement-là, qu'il est important de bien se nourrir. Et je pense qu'il faut essayer de leur faire goûter un peu de tout. Après, moi, je dis souvent, vous avez le droit de pas aimer. Moi, en étant adulte, il y a des choses que je n'aime pas, mais goûter au moins. Oui, comme quoi, ce qu'il faut retenir, les parents, c'est que si vous voulez pas être inquiet de temps en temps parce que vos enfants sont malades, torturez-les à manger de bonnes choses. Comme ça, ils sont pas malades. On n'a pas dit ça. Mais c'est les maladies qu'on peut avoir plus tard. Ouais, si on se nourrit mal, je veux dire. Ouais, comme ça, vous êtes sûr que vous serez de bons parents, quel que soit l'âge. Non, rassurez-vous, c'est ce qu'on nous faisait, nous. C'est pour ça qu'on nous dit à vous. Oui, c'est ça. Tu quittes pas la table si t'as pas fini ton assiette. Ouais. Il fallait tout manger, surtout ce qu'on n'aimait pas. Et le plus drôle, c'est que lorsqu'on était à table, ce qu'on n'aimait pas, on mangeait en premier. Oui. Et on nous remettait encore un peu. C'est ça, et on ne goûtait jamais ce qu'on aimait, en fait, finalement. Pas facile, hein, d'être un enfant. J'espère que vous allez vous souvenir de ces moments où vous étiez des enfants. Alors, il nous reste 2 minutes avant de conclure. La prochaine fois, qu'est-ce qui... Alors, vous voulez vous poser cette question. Depuis que vous venez à la télé, les gens qui viennent dans votre pâtisserie, ils vous parlent de quoi? Mais en fait, on a eu des retours. Ah, on vous a vu, c'est vous qu'on a vu à l'émission et tout ça. Bah, parce que bon, l'atelier, bon, on le redit, en fait, notre lieu, c'est l'atelier Colored Cooking, on ne l'a pas dit, voilà, l'atelier Colored Cooking. Et quand ils viennent, ils nous disent, ah, on vous a vu à l'émission, c'est bien, on va essayer. On a des retours, en tout cas, on a plein de retours. Alors, si on veut participer à vos ateliers, qui on doit appeler? Il y aura le numéro de téléphone de madame. Je ne sais pas si j'ai le droit de le donner. Si. Alors, vous pouvez m'appeler au 06 92 49 82 86. On va répéter une fois. 06 92 49 82 86. Et le deuxième numéro, c'était quoi? Voilà, et c'est après, je voulais donner l'adresse email. D'accord, allez-y. L'atelier Colored Cooking, @yahoo.com. Ou sur la page Facebook Colored Cooking. Voilà.
Et qu'est-ce qu'on peut leur dire quand ils viennent chez vous acheter des... Qu'est-ce qu'on vend chez vous, justement? En fait, on n'est pas une pâtisserie. Pour revenir, en fait, on travaille qu'à la commande. D'accord. On fait les ateliers de cuisine et pâtisserie. On nous commande des pâtisseries ou des apéros dînatoires. Voilà. Donc, voilà. Dans les apéro-dînatoires, qu'est-ce qu'il y a? On peut avoir de tout ce que Avec la des produits de clientèle, saison. Voilà, ce Voilà, que la des produits de clientèle demande. saison, des produits locaux de saison, retravaillés avec des saveurs d'ici ou d'ailleurs. Et la question qui va pas être à votre saveur, mais je vais quand même la poser, les gens commandent de plus en plus, je Oui. suppose. Je dis ça parce que ça veut dire qu'on cuisine de moins en moins. Et s'il y en a un qui a aucune leçon à donner, c'est bien moi. Je cuisine jamais. Mais les gens viennent nous voir beaucoup en atelier justement pour Pour apprendre à apprendre cuisiner et refaire chez eux. D'accord. Mais c'est tellement mieux de passer un coup de fil. Ah oui. Ouais, ça... Mais bon, jusqu'à présent, ils viennent apprendre. Voilà. Voilà. C'est bien. Surtout pas dire, hein. Odile, ne veut surtout pas que ça se sache. Merci Odile Bataille. C'est toujours un plaisir. Et merci également donc à Edwina Bargy. On va rajouter le 2. Du Gardin. Voilà. Histoire de parler de notre façon de faire la cuisine et voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut manger comme avant, mais comme aujourd'hui. C'est votre question en fait. Non, non. Ah, C'est-à-dire leur d'accord. dire que on peut les produits qu'on dit de longtemps, les produits d'avant, D'accord. on peut les manger à la sauce d'aujourd'hui, Ben oui, sous forme tout de à fait. quiche, de cake, Ben de voilà, gâteau, de machin. voilà. Voilà. C'était ça qu'on voulait vous dire. En tout cas, merci. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Elle vous réserve la surprise de savoir qu'est-ce qu'ils vont emmener pour vous mettre l'eau à la bouche. Sinon, vous allez aller voir. Vous êtes où? On est situé à la Salineau, à la route Canière. Voilà. Voilà. À côté de la pépinière des tamarins. Voilà, Voilà. parfait. Vous avez l'occasion d'aller les voir. Nous, on les retrouve la semaine prochaine avec une autre recette et d'autres, sans doute d'autres astuces. Merci à vous. Merci. On vous souhaite de bien continuer cette soirée. Merci Lalaine, merci François, merci Marie-Sylvie. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.